Bonjour tout le monde. Ben voilà, je suis la femme de Michel, Anna. Évidemment, mon mari me manque. Après 36 ans, on a été séparés, mais je pense que c'est pour une bonne cause. Mon mari est vraiment heureux chez vous. Il vit ça très bien. Donc nous aussi, on le vit très bien. Il manque à tous ses amis, à ses enfants, à ses petits-enfants. Mais heureusement, on a la chance de vous suivre ici grâce à la télévision. On suit vos matchs. Et ben, nous, on trouve ça merveilleux. J'ai eu de la chance de venir deux fois en Égypte. C'est merveilleux. C'est magnifique. Vous êtes tous très, très accueillants. Je me suis toujours sentie en sécurité et l'accueil est formidable. Michel vit cet éloignement très bien. Nous aussi. Mais bon, il nous manque. J'ai hâte de le rejoindre. Peut-être l'année prochaine. Bonne chance pour la suite du championnat. On est sûr que vous allez être des champions parce que vous êtes des champions. On vous aime tous très fort. Et merci, merci pour tout ce que vous faites pour Michel. Ce n'est que de l'amour et on vous embrasse tous. Bonjour, je suis Mathias, le fils de Michel Yannakon. Je fais cette vidéo pour vous remercier les dirigeants, les supporters, le staff pour l'accueil que vous faites au quotidien à mon père. Même s'il a des milliers de kilomètres, on est content et fier de lui. Il est en train de vivre la plus belle expérience de sa vie à l'Ali et c'est un honneur pour nous. Que notre père soit dans le plus grand club africain. Et voilà, plein de bonnes choses pour la suite. Et Forza Al-Ahli. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme formidable, c'est mon père Michel Yannakol. C'est un entraîneur et un père hors pair. Il a été accueilli à bras ouverts par le club et les supporters d'Al Ahly et pour ça je vous en remercie. J'ai eu la chance de venir au Caire et de voir le peuple accueillant et chaleureux que vous êtes et j'espère revenir très bientôt. Je voulais juste souhaiter bonne chance à mon père, au staff, au club, aux supporters et j'espère que vous aurez encore beaucoup de titres dans le futur. Et shukran, à très bientôt. Bonjour, je suis la fille aînée de Michel Yannakon et voici ma fille, donc sa petite fille. On voulait vous remercier pour votre accueil, votre immense gentillesse. Ça fait maintenant 9 mois qu'on ne se voit pas, donc le quotidien nous manque. Mais c'est une grande satisfaction pour lui d'être parmi vous. Donc voilà, papa, je te souhaite bonne chance, tu le mérites vraiment. Et forza, Lali! Salut papa, salut les fans de l'Ali. Papa, tout d'abord, tu nous manques. Sache qu'ici en Belgique, on est confinés. Et voilà, on respecte, toute la famille respecte les règles de confinement. C'est dur, mais c'est comme ça. Encore moins avec le foot. On était devenus des fans inconditionnels de l'Ali. On a suivi votre parcours en Champions League jusqu'en demi-finale. Votre parcours en championnat où ben, vous étiez quasi champion. Donc voilà, mais d'abord la santé publique, il faut penser à la santé, suivre à la lettre les recommandations du gouvernement. Donc voilà, l'Égypte me manque. D'ailleurs, au passage, je voudrais remercier toutes les personnes d'Al Ahly qui m'ont accueilli quand je suis venu une première fois. J'espère revenir le plus vite possible. Et stay at home, c'est important. Voilà, bisous papa. Salut les fans d'Al Ahly. À bientôt. Je pense que c'est. بالنسبة للعيلة بتاعتي. Ils ont quand même du mérite parce que c'est pas évident. بصراحة بشكرهم ان طبعا بشكرهم ان سابوني اسافر واسيب اوروبا Après tant d'années, c'est pas. بعد سنين طويلة احنا قضينا مع بعض وبسيبهم باجي بدور على تجربة جديدة بره وبسيبهم فبشكرهم جدا على ده. بشكرهم. لأن مش سهل ان هم يتقبلوا قرار زي ده ويقبلوا اني اسيبهم وارحل. Mais j'ai la chance que. لكن انا حظي سعيد. J'ai eu ma fille qui s'occupe de la famille. Elle a eu la chance, 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 elle a e
وشافت انا عايش ازاي وانبسطت وانا عارف ان هنا حتى متقبل جدا وحاسس قد ايه الناس بيحبوني وقد ايه عايش حياه كويسه اطمنت سواء من زمايلي او من اللاعبين او من الجماهير او من النادي فاطمنت ان انا في ظروف كويسه وفي اجواء كويسه جدا اجواء عمل كويسه جدا واطمنت عليها وان انا في امان كبير هنا في مصر وانا بشكرها بس قبل كل حاجه ان قدمت تضحيات كبيره جدا اكتر مني وده اقول حاجه يمكن بقول لك انا